stagiaires qui viennent passer ce qu'on appelle le DES, donc en fait c'est l'instructorat, donc ils sont déjà enseignants, ils sont déjà moniteurs, ce qu'on appelle le BP, le brevet professionnel, donc ils sont déjà enseignants et ils viennent passer un niveau supérieur qui est le DES, qui correspond à l'instructorat, qui va leur permettre de former eux-mêmes des enseignants. Alors la formation dure un an, mais sur un an, ils sont sur le site 14 semaines. Le reste sont des stages. Voilà. Et nous, on leur fournit les chevaux pour se former. Donc ces chevaux-là sont des chevaux de l'école. Et les chevaux de l'école sont formés par les écuyers. Et après, ils peuvent être basculés dans des cours comme ça. Et ça, c'est super important parce que les chevaux sont les meilleurs. C'est le meilleur maître hein, pour un élève. C'est-à-dire que le cheval va savoir faire tous les mouvements qu'on leur demande. Et eux, en fonction de leur de la reprise des mouvements qu'ils ont à faire, ils doivent exécuter cela. Mais déjà avec un cheval qui sait le faire. Et ça, c'est indispensable. Donc ça, c'est pour eux. Je pense que ça fait partie des richesses qu'ils viennent chercher à l'école. Donc celui-ci, c'est un cheval portugais qui s'appelle Falco. Il appartient à l'élevage national portugais, la Coudelleria nationale. Et on a un contrat avec lui, il nous a été confié à l'école il y a maintenant 4 ans pour présenter un cheval portugais aux longues rênes. Voilà, ça fait partie des accords qu'on peut avoir avec les autres grandes écoles européennes. Ça, c'est le changement, c'est comme en Formule 1. Enfin, bon. ça permet en fait d'avoir d'enchaîner les chevaux, ils sont échauffés, ça permet à Justine de se former aussi. Et c'est vrai que dans une journée, si on veut avoir un piquet de chevaux un peu fourni, c'est-à-dire avoir des chevaux qui soient déjà prêts à rentrer en gala, des chevaux qui vont rentrer en gala, c'est assez long pour les former. Il faut, là dans le piquet de chevaux, moi j'en ai 7. Comme il y a aussi des cours et d'autres choses, on fait pas mal d'autres missions aussi dans l'établissement, et ben voilà, c'est important d'avoir une bonne organisation. C'est Zeus. Et il est confirmé, c'est le cheval qui se présente en gala, il a maintenant 16 ans. Donc ce petit Zeus-là, alors lui il a un gabarit, il est un petit peu plus petit, mais voilà, il a son registre, il commence à voir, c'est un cheval voilà, qui est confirmé, qui a de l'expérience, qu'on peut emmener en gala, qu'on peut emmener sous les lumières, avec du public, dans des endroits différents. Voilà, il sait ce qu'il a à faire, il connaît son métier, il ne va pas s'émouvoir. Voilà. Son seul petit défaut, c'est qu'il est assez... il peut se distraire un petit peu quand il y a des juments. Mais par contre, une fois qu'il est là, c'est parce qu'on ne fait rien de spécial, mais une fois qu'il est au travail, après, il se reconcentre bien. Alors, au long rêne, on essaie d'être vraiment attentif au fait... Voilà, et ça c'est un peu notre défi au long rennes, c'est ce qui n'est pas facile. Vous voyez là, il se baisse, il se ferme un peu devant dans son encolure, parce qu'évidemment on est quand même sur le contact sur les rennes, alors on ne se fait pas du tout tracter, hein, bien sûr, on avance. Il faut toujours réavancer les mains, leur laisser de la place, comme on dit, devant, de la liberté, parce que l'encolure c'est très important, c'est le balancier des chevaux, notamment au galop, il faut qu'ils puissent s'en servir pour s'équilibrer, il ne faut pas qu'ils soient figés, bloqués. Voilà. Alors tout le défi réside en fait à avoir des chevaux qui soient quand même très rassemblés, vous avez vu, dans des allures assez lentes, mais qui restent si possible expressifs, pas trop courts. Très bien. Allez, hop, trop. C'est bien. Voilà, il repart bien léger, c'est plutôt agréable dans le contact. Très bien. Très bien. Et là, un peu de piaffé. Très bien. Et on s'arrête dans le calme. Nous, les trois femmes, je ne pense pas qu'on ait apporté une équitation différente. Ça serait quand même assez orgueilleux de le dire, et ce n'est pas le cas.
Mais il faut quand même savoir que l'équitation de tradition française, c'est une équitation de légèreté. Donc c'est une équitation qui sied très bien aux femmes. Ce n'est pas une équitation guerrière, en force. C'est une équitation où on va chercher à travailler le rassemblé avec un maximum de discrétion dans les aides. Donc en ça, les femmes sont, je pense, légitimes au cadre parce qu'on est vraiment dans cette idée de travailler des chevaux dans la légèreté. Après, ce qui va être différent, c'est que le fait d'avoir des femmes au cadre, bah, ça peut permettre peut-être d'utiliser parfois des chevaux qui vont être un peu moins grands, voilà, sur lesquels les grands écuyers ne seraient pas forcément mis en valeur. Et puis, on essaie aussi d'amener dans le gala une touche un peu différente en termes esthétiques. Et puis bon, on a quand même une tradition forte. On est issu, en fait, on est une école qui est issue d'une pratique militaire, on va dire au niveau historique. Même si maintenant nous sommes très proches du ministère des Sports et du ministère de l'Agriculture, et que maintenant nous sommes civils pour la grande majorité, mais bon, il y a quand même cette tradition. Et l'équitation au cadre noir, enfin l'équitation de tradition française qui est pratiquée, elle est égale entre les hommes et les femmes. On n'a pas une équitation féminine ou une équitation masculine. Mais par contre, on a une tradition, notamment auprès des sauteurs, qui est marquée en fait par l'histoire du cadre et qui est là, on va dire, reliée au côté masculin. Très bien. Souvent, on essaie de se mettre à cheval avec un petit promontoire, donc ça fait un peu un petit côté, comment dire, un peu prince ou princesse, un petit côté snob, mais c'est pas pour, c'est parce que quand on se met sur un petit muret, quand on est là-haut, qu'on monte à cheval avant le manège, on se met sur un petit muret ou un petit bout de bois, c'est pour éviter de trop aussi tirer au quotidien à chaque fois sur la selle et donc sur le dos du cheval. Donc voilà, donc, l'idée. Voilà. Donc voilà, donc son terreau, il est un petit peu maigre. Donc là, l'idée, c'est de le remuscler et d'avoir un cheval qui a un peu plus progressivement de volume musculaire. Ah. Le petit truc qui tient pas. Titi. Voilà, bouge pas. T'es bien. Oh oui. Alors lui, c'est un cheval qui est assez étonnant parce qu'il peut être vraiment très vif et un peu cabotin comme ça au travail ou quand on va, voilà, si on change d'environnement, il va faire un peu l'idiot, des petits bonds, etc., un peu dans tous les sens. Et quand vous êtes en gala, alors que c'est un environnement qui peut être quand même anxiogène pour les chevaux, il y a le public, il y a les lumières, il y a la musique, et, bah, il est super sérieux, super volontaire, donc c'est assez agréable. Il est très fiable quand on est en gala. Donc mon objectif, petit à petit, dans la séance, et au fur et à mesure des séances, ça va être d'avoir un cheval dont l'encolure, voilà, vient un peu plus prolonger le dos du cheval pour travailler de façon harmonieuse.
et pas être voilà, trop court dans ses allures et pas trop comprimé. Comme beaucoup de mamans, il faut jongler entre les emplois du temps. Bon, alors nous, on a la chance d'avoir, d'abord, voilà, on est, c'est une région où on habite proche de notre lieu de travail, donc c'est vrai qu'on s'organise le mieux possible. Et puis bah, après, il faut faire aussi des choix. On va dire, quand on est une maman d'un jeune enfant, et bien, on va faire moins de compétition parce qu'il a besoin de nous à ce moment-là. Et puis, voilà, c'est un peu des choix de carrière par moment, mais ça s'organise bien. Et je pense que le fait d'être maman, ça peut influencer aussi notre équitation parce que être maman, c'est éduquer des enfants. Alors, quand on a des jeunes chevaux, ils sont aussi un peu des... c'est pas nos enfants, mais ils sont... on prend soin d'eux, on doit les éduquer, on doit les faire grandir, on doit les dresser et puis on doit les maintenir en bonne santé. Donc il y a vraiment un rapport et je pense que tout ce qu'on vit dans notre vie privée influence aussi notre pratique équestre. J'ai eu l'opportunité de monter à cheval un peu par hasard, et c'est vrai que du coup c'est vite devenu une passion. Et par contre, ce qui fait que j'ai décidé d'en faire mon métier, c'est sans doute la combinaison d'être avec les chevaux et d'enseigner. Comme j'étais passionnée par les chevaux, j'ai choisi de faire monitrice d'équitation. Voilà, ça a démarré comme ça. Je suis petit à petit allée vers l'instructorat, donc je suis venue ici pour le passer. Puis ensuite, je suis repartie sur le marché du travail. Et puis à un moment, j'ai eu envie de revenir ici parce que finalement, la palette des missions qui sont proposées vraiment m'intéressait. Et puis, avec l'envie aussi de participer au gala du cadre noir. Parce que ça, c'est vrai que c'est... Alors, c'est ce que ça représente. Mais je crois qu'il y a aussi le côté artistique, puisque j'ai toujours aussi aimé... j'ai toujours été attirée aussi un petit peu par le côté artistique des choses. Donc voilà, quand on combine tout ça, finalement, le métier d'écuyer du cadre noir me convient assez. Encore assez jeune, qui a 7 ans. 7 ans et peu d'expérience encore. Et l'objectif avec ce cheval-là, ce serait de faire les présentations publiques cette année. C'est pendant la saison touristique, grosso modo de mars à octobre. Ça se passe en matinée, ça dure à peu près une heure et c'est une version qui est très pédagogique pour le public. C'est-à-dire on explique vraiment ce qu'on fait au quotidien avec les chevaux. Et puis pour les chevaux, ça permet de faire entrer en piste les jeunes chevaux, puisqu'il y a le public avec tout le stress que ça peut provoquer. Mais les chevaux n'ont pas la grande tenue de gala, il n'y a pas les lumières qui rajoutent encore du stress. Donc c'est voilà, une première façon d'entrer en piste pour les chevaux qui sont encore jeunes. Donc voilà, ça c'est l'objectif avec ce cheval-là. Non, viens. Donc en fait, là, ce cheval-là, aujourd'hui, va faire... Peut-être ce qu'il veut. En fait, il va sortir deux fois, comme tous mes chevaux, ils sortent toujours deux fois. Mais aujourd'hui, je veux que ce soit une journée un petit peu plus, en termes d'intensité, plus légère, en termes d'intensité de travail. Faire ce qu'on appelle du stretching. On va essayer plutôt de le mettre dans une attitude un peu étendue pour enlever toutes les éventuelles courbatures. Et puis, psychologiquement, voilà, le laisser un peu plus tranquille aujourd'hui. Non. Allez,
trotte, doucement, doucement. Bon, c'est un cheval qui est plutôt un tempérament assez, assez volontaire, assez positif. Il peut être un petit peu joyeux, mais ça, c'est plutôt bien. Après, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens quand même. Et en fait, là, on est dans un endroit, c'est assez pratique parce que c'est un rond de longe, donc ça le canalise physiquement, puisqu'on est, voilà, on est dans un rond entouré d'un mur, mais au final, il se passe beaucoup de choses à l'extérieur, donc il va entendre beaucoup de choses et pas forcément les voir, donc ça peut expliquer que par moment, il accélère un petit peu, il se demande ce qui se passe à l'extérieur. Mais globalement, c'est un cheval qui est très positif et qui peut par moment s'inquiéter un petit peu, donc je sens qu'il a toujours besoin d'être rassuré, conforté. Voilà. Oh, 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 oh. Down. Oh, oh, trop. Donc là, voilà, il y a un cheval qui passe à l'extérieur, donc il l'entend mais ne le voit pas. Oh. Oh, oh, oh. Voilà. C'est bien, c'est bien. Mais à partir du moment où il a compris, à partir du moment où on l'a rassuré, il est voilà, très positif. Oh, pas ? Très bien. Marche. Oh, stop. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dehors ? Qu'est-ce qu'il y a dehors ? À partir du moment où on met un enrênement, de toute façon, on ajoute une contrainte, bien évidemment, puisqu'on va imposer au cheval une attitude. Mais là, l'objectif, c'est... Alors, c'est quand même de limiter la contrainte dans le sens où c'est... de chercher une attitude dans laquelle il va trouver du confort et surtout dans laquelle il va s'étirer le plus possible. Ce que j'expliquais tout à l'heure, là, c'est vraiment essayer de le mettre dans une attitude où il va pouvoir étirer son corps avec tout le bénéfice que ça peut apporter. Donc là, c'est vrai que c'est la première fois que je lui mets. Donc en général, dans cet entraînement-là, les chevaux fonctionnent rapidement assez bien dans cette attitude de stretching. Et donc, moi, ce que je regarde, bon, ben, c'est l'attitude et la façon dont il bouge. Et puis, donc, il faut que cet enrênement ne soit pas sous tension. Il faut que, justement, l'enrênement se relâche un petit peu. Et ça va m'indiquer que le cheval fonctionne assez librement dedans. Et donc, ça va me permettre d'atteindre le but recherché. Là, oh oh, voilà. Donc, ce que je recherche, c'est qu'il essaie de mettre son encolure bien basse, pour étirer vraiment toute sa ligne du dessus, tout son corps. Voilà, donc là, mon souci, c'est vraiment donc le mettre dans cette attitude longue et puis voir quand même une certaine liberté de mouvement. Donc pour l'instant, il est un petit peu encore contre l'enrênement, il le découvre. Donc petit à petit, alors là, je vais le laisser trotter doucement, tranquillement, qu'il se rassure. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que petit à petit, il comprenne qu'il peut descendre son encolure et que ça va finalement lui faire du bien et qu'il y trouve du confort. Parce que le cheval, il fonctionne comme ça, hein, avec la notion de confort et d'inconfort. C'est bien, bonhomme. Voilà. Très bien, ça. Voilà. Quand il ose vraiment emmener sa tête et son encolure vers le bas, on voit que le dos, lui, se remonte, en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant et utile et bénéfique. Voilà. Et là, on voit bien qu'à son œil, à ses oreilles, il est plutôt assez relaxé, il commence à saliver. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs... qui me font dire que, voilà, tout va bien. Oh, stop. C'est très bien. Parfait. Un petit peu.
C'était bien. Alors en fait, le projet paradressage, il s'est. En fait, on me l'a proposé. J'étais pas en demande. C'est-à-dire, il se trouve surtout que la Fédération française d'équitation sollicite régulièrement l'école quand elle détecte un cavalier handicapé à potentiel ou qui a déjà beaucoup d'expérience. Et dans ce cas-là, la Fédération sollicite l'école pour éventuellement trouver un cheval à ce cavalier pour faire la compétition internationale. C'est la selle de Céline qui a vraiment été confectionnée pour être complètement adaptée à son handicap, donc avec système de taquet derrière pour l'aider à se caler, avec des systèmes de sangles aussi pour maintenir ses jambes. Hop. Alors, c'est une derrière. Hein. Oui. Où on en était tout à l'heure, la priorité c'est un qu'elle se mette basse et deux que tu trouves des sensations. Il y a le bon volume devant. Quand on entraîne des cavaliers, effectivement, on se sent en tout cas acteur de la réussite. Et là, c'est d'autant plus valorisant que. Ben voilà, Céline, il a fallu qu'elle surmonte beaucoup d'épreuves et puis moi je suis admirative de son courage et de sa volonté et de l'énergie qu'elle met dans tout ce qu'elle fait, donc forcément je suis fière de participer à ça. Et ensuite tu reviens sur des mains un petit peu plus ensemble. Tu vois, quand tu as la hauteur de nuque qui te convient, c'est juste que tes mains soient ensemble, proches l'une de l'autre. Tu vois, là, les mains écartées, pour moi, ça dure trop longtemps, Céline. Du coup, je ne sais pas ce que tu veux, même moi. Ouais. Si tu écartes les mains, c'est parce que tu veux une réponse bien précise. Quand tu as la réponse, tu arrêtes d'écarter les mains. Voilà. Sinon, ça,
forcément pour elle, c'est pas assez clair. C'est surtout que le cheval, il a besoin que les choses soient claires, mais c'est-à-dire que c'est une demande, une réponse, et pas une demi-demande, donc une demi-réponse. Sinon, le dialogue entre le cheval et le cavalier n'est pas clair, et c'est pour ça que par moment, le cheval reste un petit peu entre deux. Donc ça, il faut vraiment, mais avec tous les chevaux, qu'on soit valide ou handicapé, il faut vraiment instaurer un dialogue très clair. C'est pour ça que moi, je dis souvent, il vaut mieux être sur des choses très simples, mais très claires. Ça met en place un socle, une base qui va être très important pour la suite, pour demander des combinaisons un petit peu plus complexes. Il faut au départ que les codes simples soient très clairs. Donc là, c'est pour ça que je dis à Céline, je préfère qu'elle demande des choses simples, mais par contre, je veux voir ses demandes très clairement et voir les réponses très clairement de la part de la jument. Tu vas te rendre compte que ce qui est important, c'est ton intention. D'accord ? Et après, c'est l'énergie que tu as dans cette intention-là. L'énergie n'a rien à voir avec le fait de bouger beaucoup le corps. Les sticks, c'est plus moi qui va venir les utiliser en remplacement de mes jambes. Après, il y a quelques codes spécifiques qui ont été mis en place pour les déplacements de côté. Nadège, elle va assembler son code de jambes, par exemple, à un code vocal. Et ensuite, la jument, moi, je réutilise ce code vocal et je peux insister avec mes sticks. Mais en général, elle répond très bien au code vocal, déjà. Voilà, ok. C'est bien ça. Voilà. Soit tu lui demandes de se baisser, soit ta main n'agit pas et auquel cas, voilà, elle est en connexion avec la bouche sans rien demander. C'est bien ça. Baisse là, baisse, vraiment. Écarte tes mains, écarte. Voilà. Ok, Céline, c'est bien. Et là, elle trotte très bien. Hein. Ok? Ce qui est assez bluffant, c'est que finalement, Céline ne l'avait pas montée depuis le mois de mai l'année dernière, donc ça va faire quasiment un an, et finalement, elle n'oublie pas. Elle se réadapte complètement, et donc ça, c'est chouette, c'est chouette. Ça, gonflé alors après son... Non, rien du tout. C'est le boulet où elle a les molettes qui travaillent, enfin, elle a ses molettes articulaires, et du coup ils avaient diminué. Je n'ai jamais été confrontée au handicap, ni dans ma vie professionnelle, ni dans ma vie privée. Donc je partais un petit peu, enfin, je ne savais pas trop où je mettais les pieds, ça m'inquiétait un peu, puis finalement j'ai été complètement embarquée dans ce projet. Et puis ce sont des belles aventures en fait. Accompagner un cavalier handicapé dans ce projet sportif, c'est en tout cas de ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, à chaque fois c'était une belle aventure. C'est important? Oui, elle fait la tête, elle le sait d'ailleurs, elle l'a pas vu. Elle va voir ma vie. La petite récompense après un bon travail. Ah bah là, elle cherchait, mais elle attendait. Elle a l'habitude. Bon, des petits rituels qu'on crée avec eux aussi. Hein. Donc là, votre emploi du temps est minuté. Oui. On vient de finir quelque chose, on repart ailleurs. On repart avec un autre cheval, c'est ça. Je vous suis.
nettoie les morts après chaque utilisation. Pour pas qu'il y ait de blessures, parce que du coup, sinon, quand ils mangent de la paille, forcément, ça laisse un petit peu de dépôt. Et du coup, ça risque de sécher, c'est sale, et puis ça peut leur faire des petites blessures. Donc du coup, on nettoie les morts et on nettoie les cuirs après chaque utilisation. Je suis assez maniaque des morts propres. Donc j'aime bien le faire moi-même. Puis en plus, ça se fait toujours beaucoup mieux quand c'est encore un peu humide, plutôt que quand ça a séché sur le mort. Moi, je suis la cinquième femme embauchée au Cadre Noir. On est trois actuellement, nous sommes trois actuellement. Je pense que ça a été beaucoup plus difficile pour les deux premières. Voilà, c'était essentiellement un milieu militaire d'hommes, un peu plus macho qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'équitation étant un sport mixte, en plus, on a vraiment l'habitude de pratiquer en compétition entre hommes et femmes. Et au sein du Cadre Noir, on sait qu'on apporte quelque chose en tant que femme, un petit peu plus de finesse, on monte plus avec notre feeling parce qu'on a moins de force. Chacun a des qualités et du coup on essaye vraiment de travailler en complémentarité. Là par exemple, je vais le travailler avec Guillaume qui sort en compétition aussi avec moi pour avoir vraiment un regard extérieur et pas travailler toute seule. C'est vraiment notre force et notre chance, c'est de pouvoir travailler ensemble et pas d'être tout seul, isolé dans une structure. 4-8-8-4, c'est ça. Hein, tu vois l'impact que peut avoir ton corps juste par ton placement dans la selle. Ton cheval va vraiment le sentir et va se placer lui aussi différemment. Hein, ça, c'est important. Hein. Et en plus de ça, tu vois, ça évitera de le choquer un petit peu si tu es un tout petit peu plus loin de lui. Alors loin, entre guillemets. Mais si tu es éloigné parce que ta jambe, parce qu'elle n'est pas tout à fait au contact, que tu n'es pas tout à fait investi dans ta selle, le moment où tu vas venir pour agir avec lui, vu son tempérament, c'est ça qui risque de le brusquer un petit peu et de le faire se chauffer un peu plus. Alors que si tu es toujours connecté à lui, mais dans différents états, connecté, toujours connecté, mais plus souple, connecté, tonique, mais là, pour le coup, tu es toujours avec lui, mais dans différents états. Et ça lui indique dans quel état lui doit se placer. Voilà, et déjà, tu es placé comme tu veux qu'il soit dans le galop. Pas grave, fais attention qu'il ne se jette pas à gauche. Bien. Comme si vous voulez le rentrer un peu vers là. Oui. Pareil, le départ au galop à gauche, c'est exactement comme le changement de pied. Hein. Tu vois, les côtes qui sortent un peu à gauche, l'épaule qui se jette à gauche. C'est à ça que sert ta jambe, de le rentrer un peu, de le renvoyer vers l'extérieur. En plus, il est très sensible à ta jambe, à ton corps, à ton poids du corps, à ce que tu fais dans la selle, donc il faut se servir de cet outil. Le fait qu'on ait les trois missions qui sont compétition, la formation et puis le Cadre Noir, on a des journées quand même où on ne s'embête pas, mais c'est complémentaire, on fait beaucoup de choses. C'est pas du tout monotone, puis avec les chevaux de toute manière, on en apprend tous les jours et on ne s'embête jamais. À la hanche gauche, la dernière foulée. D'accord. Tu sors un petit peu vite, il écarte à gauche. Il se remonte un peu, non? Moi, de dos comme ça, je n'ai pas vu du tout, mais ça ne m'a pas choqué du tout. Tu rentres finalement, tu rentres en 2-3 foulées en fonction. Oui. Tu vas dans le tirage. Et tu vas, et quand tu sors. Tu vois, en général, deux foulées, c'est fait. Mais tu ne dois pas quitter ta pirouette, tu sors. Parce que là, pour le coup, tu as le risque de faire ce que tu as fait là-bas avec un poisson qui s'écarte. Et ça, c'est dommage. Laissez-moi. Thank you.
Ben moi, mon projet professionnel en compétition, en tout cas, c'est Paris 2024. En tout cas, c'est le projet. On verra bien si on y arrive ou pas avec ce petit Sartorius là. Voilà, c'est mon projet, mais après, je travaille pour. On verra. Aujourd'hui, là, cette compétition, c'est en vue de la sélectionner pour les championnats du monde des 7 ans, des chevaux de 7 ans. International ici au cadre nord de Saumur sur le site internet de l'IFCE, ifce.fr. Ouais. Moi je l'ai senti un peu plus à l'ombre. Ok, très bien, 6 pirouettes, enfin 2 minutes. Le galop bien. Elle a une facilité à bien garder sa cadence quand même au trot, hein. Les demi-cercles, demi-cercles, c'est assez dur souvent. Ça, elle a toujours fait ça très bien, les cercles de 8 mètres, elle reste bien. Non, elle va être chouette, hein. Faut que j'arrive à la. Et là, elle va avoir une bonne note, hein. Ouais, elle a plus en qualité, elle a plus qu'hier déjà. Ouais, ouais. Je vois pas tout, je vois qu'elle est mature, faut qu'elle se durcisse un peu aussi. Combien ouais, elle était plutôt. Je suis satisfaite de la jument, elle était plus enclenchée, plus dans le concours qu'hier. C'est pas facile les concours à la maison parce qu'ils sont chez eux, donc ils sont pas dans l'ambiance concours comme d'habitude. Il n'y a pas cette petite niaque qu'ils peuvent avoir en concours. Et hier, c'était carrière d'honneur, elle est plus vraiment dans son élément, enfin plus chez elle. Là, cette carrière-là, j'y vais pas souvent, donc je pense qu'elle s'est sentie un petit peu plus en concours. Et c'est une jument qui est assez introvertie, donc met du temps souvent à rentrer dans la compétition. Là, c'est le deuxième jour, et du coup, aujourd'hui, elle était plus rassurée, plus avec moi. Donc non, je suis contente, parce que c'est une jument qui a 7 ans, donc c'est le début. Hein, et elle montre que, je pense, ça sera un bon cheval de dressage pour l'avenir. Thank you.
Pauline Van Landegem et Dakota de Hus, adjoint Oldenbourg, fille de Donjon de Hus. Pauline qui prend la deuxième place avec Dakota de Hus et une moyenne de 73,400. L'écuyer en chef de l'époque, le colonel Durand, m'a proposé pour intégrer le cadre noir. Donc j'étais aussi la première femme à intégrer le cadre noir. Donc c'était inespéré. En rentrant à l'école, je n'y pensais même pas. Donc en 84, j'étais habillée en noir. J'ai fait le carrousel qui est en bas, le carrousel de l'école de cavalerie. J'avais un cheval civil, un cheval qui m'appartenait, avec lequel j'ai fait des présentations individuelles. Et là, j'ai été à chaque présentation avec une foule qui venait s'agglutiner autour de moi pour avoir des autographes. Enfin, c'était très, très sympathique, très émouvant. J'étais un peu iconoclaste, hein, la première femme au cadre noir. Comment s'est passée mon intégration dans ce monde d'hommes? Ça a été sans problème puisque j'avais passé un an comme stagiaire, donc ils me connaissaient. J'avais un cheval qui sortait déjà un bon niveau en compétition, donc voilà, je commençais à faire mes preuves. Et il n'y a eu aucun problème en interne, aucun problème, ou s'il y avait quelques jalousies ou quelques mécontents, je ne l'ai pas su. Par contre, parmi alors, les anciens du cadre noir, il y a des anciens écuyers qui ont très bien accueilli la chose, un colonel qui m'a donné une paire d'éperons, enfin, ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques notes discordantes d'anciens qui trouvaient que c'était scandaleux de faire rentrer des femmes au cadre noir. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé.